Ouvert en novembre 2012, grâce aux efforts des partenaires au développement, le centre de transfusion sanguine de Mans peine encore à couvrir les besoins des hôpitaux de l'Ouest. Sur 1000 demandes exprimées chaque mois, seulement 600 sont couvertes. C'est afin d'aider le centre à prendre en charge les cas d'anémie que les musulmans de Mans, regroupés au sein de l'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire, ont décidé d'offrir un peu de leur sang. On donne le sang à cause de Dieu, ça c'est la première chose d'abord. Le prophète Mohamed Ali nous a dit, si tu as pu sauver un seul frère dans ce monde, c'est comme tu as sauvé toute l'humanité. Redonner la vie à quelqu'un, et que toi tu peux faire quelque chose en donnant ton sang, je pense qu'il n'y a rien de plus normal. Cette opération de collecte a permis de recueillir environ 150 poches de sang. L'opération de collecte de sang de ce jour va permettre de pouvoir accroître donc le stock en produits sanguins, en ce sens que nous attendons là 150 à 200 poches, donc ce qui permettra de pouvoir retrouver un peu le stock en produits sanguins. En 2013, 48 cas de décès liés à l'anémie ont été enregistrés au CHR de Mans, un chiffre qui est en baisse depuis l'ouverture du centre de transfusion sanguine. Mais des efforts restent à faire, notamment au niveau des moyens financiers et des équipements techniques pour permettre au centre de Mans de desservir efficacement les 12 structures sanitaires de la zone ouest et du Kabadougou.